si je veux sourire, tu vas sourire. Tu es venu te voir ici. Fais! Mais ne fais pas! Tu as déjà fait quoi dans sa vie? This wicked spirit has killed the mother of this girl, her four-day-old child, her sister, and her sister's children. But when she attempted killing this girl, the grace of God was upon her, and that took her head, and she died. Thank you.
The spirit of the woman talking inside this girl was initiated into a secret cult by her husband. This cult, called Le Jeune de Buddha, is specialized in killing people through drugs that are manufactured spiritually in the land of the dead. People of God, I just spoke to you. That is how you know a prophet of God. Before the arrestation of this demon, the man of God, Prophet Frank, had just preached a prophetic message relating to social groupings that have simple appearances but are sects in disguise. Listen to what he said. Our Lord Jesus Christ was never distracted. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été distrait. But when you look at the life of a human being, si on regarde la vie d'un humain, he's distracted for one thing or the other. Il se laisse distraire par une chose ou une autre. Sociability distracts. Distrait par la société. A lot of human being meetings distract. Beaucoup de réunions avec les humains distraient. Écoutez. A lot of human being meeting which is not the one of the gospel distracts. Beaucoup de réunions avec les humains, si ce n'est pas pour la cause de l'évangile, ça distrait. Amen. Amen. Too much njange and village sociability meeting distract you. Donc la réunion là, c'était pour les jeunes de Buddha. Hein? Et dans la réunion là, on faisait quoi? On demandait de tuer les gens. It is a wicked thing for people to come together to strategize on how to kill their brothers and sisters instead of strategizing on developmental issues. On demandait à tous les jeunes de tuer les gens. Hein? Donc c'était normal. Tout le monde savait là-bas qu'on tuait les gens. Tout le monde dans la réunion. Parle! Oui. Maintenant, vous étiez à combien là-bas dans la réunion? On était à 12. À 12, dans la réunion. Donc, toi, tu as tué 6 personnes. Oui. C'est moi qui est morte par accident. C'est toi qui étais morte par accident. Oui. Ça a pris ta part de tête. Oui. La présentation. Oui. Because when I was just talking, I saw an accident, blah, and the person died. Maintenant, dis-moi, dis exactement comment. Quand tu tues, les gens là te donnent l'argent comment? Quand tu tues les gens là, ils te donnent l'argent comment? Expliquez. Quand je tue le lendemain, maintenant on a déjà prêté mon argent. Quand tu tues le lendemain, maintenant on a déjà prêté ton argent. Oui. Les gens là, quand tu tues, ils partent où? Dans l'au-delà. Ils travaillent quoi là-bas jusqu'à vous bénéficier dans le monde physique? Donc ils partent travailler dans le monde spirituel. Et puis physiquement, vous bénéficiez comment? L'argent revient toujours au moment de la vie. L'argent revient toujours. Il travaille quoi et l'argent revient? Il travaille quoi? Il vend les comprimés. Il va vendre les comprimés. Il vend ça aux gens comment? Expliquez comment il vend aux gens. Parce qu'ils sont des esprits. Il vend aux gens physiques comment? Les gens les voient. Hein? Les gens les voient. Les gens le voient. Où? Comme toi et moi. Il le voit où? Tu toujours en Bunda où? Ailleurs. Ailleurs. Ailleurs comme où? N'importe où dans le pays. N'importe où dans le pays. Tu n'as pas là, tu avais tué et posté où? Tu avais posté où? J'ai posté deux. Hein? J'ai posté d'autres en France. Tu as posté d'autres en France. Oui. Donc ils sont en France en train de travailler. Oui. D'autres où? D'autres sont avec moi dans l'au-delà. D'autres sont avec toi dans l'au-delà. Dans le monde spirituel. Oui. On a rien, hein? FAMLAH! The demon reveals that when they kill a person through accidents, they collect his or her spirit, which will continue to dwell in the land of the living in the form of a living ghost. It is this living ghost that will be producing money for the person that sacrificed him or her through petty trading and sales. These spiritual slaves can be seen physically if you look at them with your physical eyes, but if God opens your spiritual eyes and you look at them spiritually, they will likely disappear. Or if they are recognized by a relative physically, they will also disappear.
This is why most often these spiritual slaves do not operate in the environment where they were killed. The occultic masters will always send them to other areas or even abroad. The spirit that has been arrested in this girl has killed 6 people, and their spirits in human form are working for them in France. This is what is commonly called in the West region of the Republic of Cameroon as FAMLAH or Nyongo. Ou c'est par mois? Par semaine. Par semaine, c'est 5 millions. These ghosts sell drugs in France for their masters, and each person brings about 5 million francs per week. And if we times it by the 6 persons that he has killed, it will give a total of 30 million francs per week, making a sum of 120 million francs per month and 1,440,000,000 per year. It is with this blood money that they build houses all over, buy luxurious cars, and sponsor terrorist attacks to shed more blood and make more money. Lord have mercy. Let us be the more vivant là. Il prend les comprimés là où pour venir vendre. Je Tu les libres. Comment? J'envoie le serpent et pas chichi. Où? Aux membres de la Réunion. Aux membres de la Réunion. Oui. Donc les membres de la Réunion produisent les comprimés. Oui. Dans le spirituel. Oui. Comme que j'ai le comprimé, donnez le nom. Le parent. Quoi? Le quoi? Le para. Le para, c'est quoi? Paracétamol. Oui. Et quoi? Le poitain. Le poitain. Quoi? Le potru. Le potru. These drugs that are produced spiritually are common and cheap drugs that are used daily, such as paracetamol for headaches, Cotain and Quatrin for fevers such as typhoid. The frequent use of these drugs and the cheapness permits these agents of the devil to get victims easily because everybody uses them. You go and buy paracetamol, say you have small headache. You come and drink the headache, people. In Jangwe, Jangwe. Go to Njambi, Adina, but I just advise you. You go back to Njambi again? No. Okay. There are people here, money is sweet in their mouth. Go Njambi. The way you sit and calculate Njambi, that is the same way demon calculate your life. Tu la connais? Tu as la sœur, il est Njambi. Oui. C'est la sœur qui est la mère. Oui. Ok. Toi, tu connais la femme là qui parle? Oui. C'est qui? C'est ma cousine. Hein? C'est ma cousine. C'est ta cousine. Donc la femme qui parle dans elle, c'est ta cousine? Oui. C'était ma cousine. Elle est où? Elle est morte. Elle est morte. Oui. Par comment? Accident. Hein? Accident. Accident. Pas pour disaster. Et la fille qui t'est parlé, c'est qui? La fille elle-même, qui est là, c'est comment? C'est ma nièce, c'est la l'aînée à ma fille. C'est ta nièce? Oui. Mais elle dit qu'elle est ta cousine, comment? C'est la fille qui parle. Voilà. Quatre fois, disons ça. Tu vous donnez le paracétamol, continue, avec poitrine. Avec quoi encore? C'est tout. Donc ça c'est les populaires. Donc ça, populaire drugs that they always buy outside there. Et en France, vous payez les taxes là-bas. Quand tu vas là-bas, tu payes les taxes. Tu vas sur les blancs aussi. Hein? Tout le monde est blanc. Hein? Tout
Tout le monde prend. If you are watching this deliverance and you have somebody that died suddenly and is producing billions for somebody somewhere by the anointing and the grace upon Prophet Frank, let his or her spirit disappear and go to eternal rest, and let all the billions that they have provided to their masters, let that money also disappear from any bank or wherever it is found, in Jesus' name. En France, vous rencontrez d'autres démons là-bas? Ils sont beaucoup là-bas? Nombreux. Il y a plus de puissants démoniaques là-bas en France, ou c'est ici en Afrique? C'est là-bas. C'est en France. Oui. C'est plus fort que là-bas? Oui. That is the reason why this is not possible. Go there. Amen. Glory, Europe, in a short while. Tu ne savais pas quand tu venais ici à l'église? Non. Hein? Non. Non, comment? Je ne savais pas. Si tu savais? Je devais l'empêcher. Tu devais l'empêcher? Oui. Pourquoi? J'ai fait tomber malade. Tu fais tomber malade? Oui. Comme d'habitude? Oui. Are you saying? When you begin to feed people of God, even some hard companies all night, they did not come, they fought them like that. People say, I did not come to church because I was not feeling fine. Hey! I hear you! You are not feeling fine! Instead to come for prayer in the church, you say, you don't feel fine, you don't come to church. These occultic people have spiritual monitoring mirrors, and each time they see that those they want to kill are going to where they can be saved, they will mount up strategies to prevent them, just as they tried to stop this girl from coming to Kingship International Ministries. But when God says yes, no one can say no. Toi quoi? Toi. J'ai fait quoi? Tu me brûles. Hein? Tu me brûles. Je te brûle comment? Avec le feu. Où est le feu là? Où est le feu là? Hein? Donc tu t'amuses avec le feu pourquoi? The demon confesses that the fire of the Holy Ghost emanating from Prophet Frank is burning them. That's why they did not want this girl to come to church in the first place. La réunion là existe encore. Le président est encore là-bas. Il n'est pas encore mort. Il a tué combien de gens? Il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Tué son premier fils. Tué son premier fils. Tué son petit frère. Tué son petit frère. Il a tué aussi les deux enfants de son petit frère. Les deux enfants de son petit frère. La réunion là, c'est le jour où exactement en Bouda. Ça ne sert pas à Bouda. C'est où? Ça sert en Dorbon. Ah? Dorbon. Dorbon, c'est où? Ça sert ici en Dorbon. Oui. Mais c'est le jour de Bouda. Oui. The headquarters of Les Jeunes de Bouda is in Dorbon in Douala, where they can connect to urban powers. Most of these occultic people hide under petty businesses to perpetrate their evil. For example, the president of Les Jeunes de Bouda has a building material shop, but his real source of money are the people that he kills. He has killed his wife, his first son, his younger brother, the two children of his younger brother, and is ready to kill more. Toi, tu vends les comprimés. Oui. Tu vendais les comprimés. Oui. D'autres membres font quoi? Le président a quoi? Le président a la quincaillerie. Il a la quincaillerie. Ceux qui ne font pas dans la sorcellerie, qui ont les quincaillerie, vous le faites quoi? On tire son argent. Vous tirez de l'argent. Comprenez? Donc, ceux des Américains qui ne sont pas dans le FAMLAH, the only way to survive this kind of evil entanglement is to abide in Jesus Christ
and let his word abide in you. People of God, connect to your power source so that these occulted people will be unable to practice wizardry on you and your activities. For example, this president that has a building shop material has held all the other non-members captive by magical powers, and they are unable to sell. It's not already known. It's not already known. I mean, it's not already known. It's Il connaît ce qui se passe maintenant. Oui. Parle toi. Oui. Il connaît comment? Ils ont des. Hein? Ils ont des. Ils ont quatre. Ils ont quatre. Ils ont un miroir. Oui. Dans le temple là-bas, il y a quoi? Les éléments qui sont là-bas, c'est quoi et quoi et quoi? Il y a le miroir. Parle toi. Il y a le miroir. Il y a le miroir. La bougie rouge. La bougie rouge. Oui. Et quoi? Et une statue avec les cornes. Avec les cornes. Statue avec les cornes. Oui. People of God, there are some of you that have these statues in your house. Every cow statue represents a spirit. Les deux cornes là, c'est à quoi? Les deux cornes, c'est à invoquer. Les deux cornes, c'est à invoquer. Les deux comptent sur le statut. Oui. Le statut est le statut de quoi? C'est le statut de quoi? Ça ressemble quoi? Ça représente le serpent. Ça représente le serpent. This occultic group uses a mirror, a red candle, and a statue with horns to monitor non-members and to possess them with one misfortune or the other through incantations. With righteous anger, Prophet Frank launched an attack on the kingdom of Legion de Buddha, and instantly all their spiritual gadgets caught fire. Distance is not a barrier, because we serve a God who is omnipresent. Say, to our statue! To our statue! Are we talking together? To our statue! To our statue! Qui est dans le temple? Legion de Buddha! See how the fire of the Holy Ghost is tormenting the spirit in this girl. J'arrête le coup. J'arrête le coup. J'arrête le coup. J'appuie. J'appuie le coup. J'arrête le coup. J'appuie. Je suis arrivé sur le statut. Je suis sur le statut là. Tout là-bas. Ok, tout le royaume là. A vous redire. Le royaume. Des jeunes de Bouddha en devant dans le quartier Santos. Voilà. Led by the Spirit of God, Prophet Frank summoned the president, and his spirit came forth and spoke. Ah!
Qui est le président? C'est moi. C'est toi le président de réunion. Dis comment tu fais. Vite! Tu gères la réunion comment? The president reveals that they function like a common initiative group where they make weekly contributions, and any member that kills a person within the week will be the beneficiary of that week's contribution. Aujourd'hui, je donne une personne. Une semaine après, l'autre donne, ainsi de suite. La personne qui tue une personne bénéficie la jambe. Il bénéficie la jambe. Vas-y. Président, continue le discours. Oui. Et puis, nous avons, en voyant cette personne travailler la jambe. Oui. Donc, présentement, comme tu es président, vous avez envoyé combien de personnes, posté combien de personnes de travailler pour la réunion? Si on veut compter à tout, avec tout notre membre, on peut compter même 50 personnes. 50 personnes? Oui. Si tu veux compter en tout, oui. Donc les 50 personnes sont postées où? D'autres sont aux États-Unis. Oui, combien sont aux États-Unis? Il y en a 10 aux États-Unis. Il y en a 10 aux États-Unis. Quelles sont les professions? Il fait quoi là-bas pour travailler? Il travaille dans les pharmacies et d'autres dans les hôpitaux. Il travaille dans les pharmacies et d'autres dans les hôpitaux. The spirit of the person that has been killed will be assigned to a task that will be bringing money weekly. The occultic group has killed about 50 people. 10 are now working in the USA in hospitals and pharmacies. They are in charge of killing patients, and the drugs that they sell contaminates them with HIV. These 10 people bring an income of about 50 million francs CFA per week, about 200 million francs per month, and about 2.4 billion million francs per year, 2.4 billion francs. President, you win. Dans les hôpitaux, ils travaillent comment aux États-Unis? Ceux qui viennent étant déjà agonisés, on les tue. Ceux qui viennent étant agonisés? Oui. Ok! Ne me parle pas le gros français là! Tu parles ce que je ne vais pas comprendre, je vais avoir le feu. Tu sais que c'est un gros feu, non? Hein? Ceux qui viennent étant quoi? Ceux qui viennent étant demi-morts, on les tue. Voilà! Ceux qui viennent étant demi-morts, vous le tuez seulement. Et quoi encore? Et puis ceux qui travaillent dans les pharmacies, les comprimés que nous les envoyons, ceux qui prennent ça attrapent le sida. Ceux qui prennent ça attrapent le sida. Ta réunion, c'est le distributeur de sida aux États-Unis. Oui. C'est tout. Les deux-là travaillent seulement dans les hôpitaux et les pharmacies. Et les hôpitaux, ils disent seulement les gens qui viennent demi-mort. Et les autres qui viennent, ils font comment? Certains qui viennent et on trouve qu'ils ont beaucoup des étoiles. On les étudie, on entre dans eux pour fabriquer de l'argent. Vous entrez dans eux pour fabriquer de l'argent. Oui. When these occultic people discovers anybody with a bright future, they will not kill you. They will use your star to make money. Money, money, the root of all evil. Says the psalmist. Les 10 personnes là aux États-Unis, ça vous donne combien d'argent au Cameroun? Par mois, par semaine? Ça vous donne au moins 50 millions par semaine. Ça donne combien? 50 millions par semaine. Parle-toi! 50 millions par semaine. Les 10 personnes là aux États-Unis donnent au moins 50 millions par semaine. Donc le quinquennerie là que tu as, c'est un camouflage. Oui. Hein? Oui. Où sont les autres biens? Tu as encore quoi et quoi et quoi, président? J'ai 30 millions de francs CFA dans mon compte. Tu as 30 millions de francs CFA maintenant dans ton compte? Oui. Et quoi encore? J'ai la quinquennerie. Oui. J'ai les voitures dehors. Tu as les voitures dehors? Oui. Les gens qui travaillent pour toi, tu le fais comment? Tu le tues aussi? Non, ceux qui travaillent pour moi, je ne les tue pas. Tu le fais seulement quoi? Je les ai produits, le serpent soit la maladie.
tu les introduis le serpent, soit la maladie. Tu ne prends pas les chances. Quand j'introduis dans le serpent, ça veut dire que je prends déjà les chances. Tu prends déjà les chances. Ils travaillent comme les esclaves pour toi. Oui, comme c'est le cas de Josiah. Comme c'est le cas de Josiah. Oui. Josiah, donc, Josiah, si maintenant que tu es dans elle, travailler pour toi. Oui, ses étoiles, ses étoiles, compliquées de la vie. Spiritually, the stars of this girl is producing billions for her master. But look at her shoes and hair. This is wickedness of the first order. Regarde, ça va le travailler. Oui. On dit oui, monsieur. Dis oui, monsieur. C'est moi qu'on appelle monsieur. C'est toi qu'on appelle monsieur. Tu connais là, tu n'as pas vu ici. Tu ne vois pas ce qui est ici. Je n'ai rien vu, je ne veux rien voir. Tu n'as rien vu et tu ne veux rien voir. Voilà, tu vas voir un peu. Hein. Dans tes chaussures, feu. Sous tes pieds, Georges, feu. Partout sur ton corps, feu. Feu maintenant. Feu. Partout. Feu. Feu. Tu n'as pas encore vu? Hein? Rien. Ok. Non, non, oui. Bien si vite. Bien si vite. J'arrête ton cou. J'arrête ton cou, j'appuie. J'appuie ton cou. J'appuie ton cou. J'appuie. J'appuie. En nom de Jésus. Non, oui. Grand est ce qui est en moi. Au lieu de ce qui est dans toi, tu as été vaincu depuis, tu as été battu depuis sur la croix. Et le sang de Jésus-Christ t'a faibli. Le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang. Regardez, la marmite de sang qui est sur ton temple là, je casse ça. Deceitful manner, the demon tries to intimidate the man of God with a dry laughter. But greater is he that is in the man of God than they that are in the world. Next, the man of God called fire from heaven to consume the blood pots that have been fortifying them. The president tries to defend his presidentship by putting up some resistance, but the man of God broke all his powers of incantation.
with the word of God and the blood of Jesus. Dis oui, monsieur. Dis oui, monsieur. Dis oui, monsieur. Dis oui, monsieur. Jesus is the only Monsieur. There's no other Monsieur. It's not me. It's Jesus that is the only Monsieur. Is it that? Maintenant, dis tout maintenant. Que tu as vu? Ta force dépasse pour moi. Hein? Ta force dépasse pour moi. Parle-moi. De quoi? Ta force dépasse pour moi. Ma force dépasse pour toi. Tu voulais d'abord dire quoi? Maintenant-vous! After tormenting the demon, he confessed that the power of God is stronger. To God be the glory. God is using me and doing this. I would have casted out this demon says, but people of God, I want you to see the aliveness of Jesus Christ. You shall never be threatened. Never somewhere you be threatened. No. What is your own must come to you? No man should take me from you. I say, where you are, you must receive your own. Don't be threatened. All of them are under our feet. When you mean it, people of God. When you see traces of Satan in your thing, mean it. Take prayer and mean it. You will see the change come now. You come at this far. Press it down. Hein? Oui. Il y a combien de réunions que tu as pas là-bas pour ce serment-là? C'est serment. Hein? Tu connais d'autres frères qui sont dans d'autres réunions? Oui. Hein? Oui. Ça parle de renom, on appelle ça quoi? Le cercle. Hein? Le cercle. Le cercle. Le cercle de quoi? Le cercle des hommes. Le cercle des hommes. Donc, vous faites comment pour vendre? Président, parle comme un président. Hein? Tu vas parler? Hein? Oui. Ok. Tu as compris. Donc, c'est la souffrance, hein? L'école demandait le sacrifice était venu passer. Aïti, c'est tellement des conneries pour servir cet âme. Regardez. Pas de paix. Des conditions qu'on pose à droite. On vous avait interdit de faire quoi? Voilà. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions qu'on vous a interdit de faire? Pour vivre normalement, quelles sont les conditions? Les conditions qu'on vous a demandé de faire. Oui. Sérieux. Il y a quoi que les gens vous manquent que vous ne faites pas comme les conditions? On m'a amené une personne malade à l'hôpital. Donc quand quelqu'un est malade, vous n'apportez pas à l'hôpital? Non. Même si malade, comment? Non. Vous préférez qu'il meure? On ne peut pas accepter avec cette âme. Hein? On ne peut pas accepter avec cette âme. This secret society has secrets. One. Never take somebody to the hospital. 2. Never reveal the secret of the kingdom. 3. Stay united. And 4. Do not help anybody. Et la deuxième condition. De ne jamais révéler le secret. C'est? De ne jamais révéler le secret. De ne jamais révéler le secret. Et l'autre? Restez unis. Hein? Restez unis. Restez unis. Est-ce que vous faites le bien avec l'argent là sur les gens? Non. Hein? Si on te donne l'argent, c'est que c'est le mauvais. Quoi? Si on te donne l'argent, c'est que c'est le mauvais. Si vous donnez l'argent à quelqu'un comme l'aide, c'est que c'est le mauvais. Oui. Donc vous n'aidez pas les gens? Non. Hein? Non.
Ta femme est où? Tu avais tué. J'ai tué ma femme. Par rapport à toi? J'ai tué ma femme. Tu es encore une autre femme, Elena? Non. Hein? Non. Tu n'oses pas avec la femme prenne-la. La fille prenne-la. C'est juste ma copine. La fille prenne-la, c'est juste ta copine. Tu as déjà un plan sur elle? Pardon. Tu as déjà un plan sur elle? Non. Je ne veux pas lui faire de mal. Tu ne veux pas lui faire de mal, pourquoi? Parce que je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Tu as d'abord pris la fille noire là, tu as laissé. Tu as pris encore le jeune fille. Hein? Oui. Tu avais laissé le noir là, pourquoi? Parce qu'elle ne m'intéressait pas. Elle ne t'intéressait pas. Tu as pris maintenant l'autre aussi. Oui. Ton temps de partir est arrivé. Où est la femme qui t'a appelé là? Elle est où? Elle est là. Hein? Elle est là. Qu'est-ce qui est arrivé à ton temps? Quels sont les dégâts qui sont arrivés à ton temps? Hein? Parlons de quoi? C'est détruit. Qu'est-ce qui est détruit là-bas? Tout est brûlé. C'est brûlé. Et maintenant, ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Rien ne peut vous arriver. Les membres, qu'est-ce qui va arriver? D'autres vont attraper la folie. Hein? D'autres vont attraper la folie. D'autres vont mourir. D'autres vont mourir. Et toi, tu vas faire comment? Mourir. Hein? Mourir. Tu ne peux pas aller te repentir. Chercher une église, tu ne peux pas te repentir. Je ne peux pas, je fais trop de mal. Hein? Je fais trop de mal. Jésus-Christ est venu pour les gens qui ont fait de mal, qui se repentent. C'est compris? Vas-y, tu cherches une église, tu te repends là-bas. Ton téléphone est où maintenant? Mon téléphone, je l'ai laissé à la maison. Tu as laissé à la maison? Oui. Avant de venir ici? Oui. Ton corps est où maintenant? Mon corps est sur le lit. Ton corps est sur le lit? Oui. Ça fait comment là-bas maintenant? Ça parle comme je suis en train de parler. Hein? Ça parle comme je suis en train de parler. Ça parle comme tu es en train de parler. Ok, si on n'a pas, on appelle ton téléphone, tu vas prendre. Non, je ne fais pas, je ne suis pas dans mon corps. Tu fais quoi? Je ne suis pas dans mon corps. Tu n'es pas dans ton corps. Oui. The Spirit revealed another important secret, that as his spirit is speaking in this girl, his body is talking the same way on the bed, but cannot pick up a phone call because the spirit is out. The body is the house of the spirit, and once the spirit is gone, the body is useless. This is to confirm that we live our lives at about 90% in the spirit. Amen. Clap for Jesus Christ. You see now that the Bible said the body is the house of the spirit. And now, since the spirit is out, the flesh is nothing. Clap for Jesus Christ. Je vais te l'envoyer là-bas. Tu prends moi. Hein? Oui. Ici là, tu ne peux pas rentrer seul. Non. Pourquoi? Je suis calé. Tu es calé. Qu'est-ce qui t'a calé? Qu'est-ce qui t'a calé? Tu as détruit l'endroit là où je passais. Hein? Tu as détruit l'endroit là où je passais. J'ai détruit l'endroit là où tu passais. On a détruit l'endroit là où tu passais. Clap for Jesus Christ. Prends tes bagages, tu pars. Et le renom là ne va plus exister au nom de Jésus-Christ. Sors et tu pars. Hein? Tu ne veux pas partir. Josiane, c'est ta femme. Josiane, c'est qui? Josiane, c'est ta femme. Oui. Tu as vu la femme, non? Si elle est sans femme, elle est. Tout à l'heure, elle est. Sors.
Je ne te demande pas, je te dis. Je ne peux pas laisser ma femme à quelqu'un d'autre. Hein? Tu ne peux pas laisser ma femme à quelqu'un d'autre. Avant que je compte jusqu'à toi, toi, tu es déjà parti. She has finally been declared free by the power in the name of Jesus. Another arm of Satan has fallen. To God be the glory. Amen. You are completely free in Jesus' name. Amen. Amen.